nouveau refuge. Et j'adore au monastère voir l'assemblée des enfants. Amen. Et elle, c'est ma nièce. C'est quoi pour que la grâce de l'Église soit avec vous. Amen. Frère, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une joie totale. Et l'année passée, pendant le renversement des principautés, le Seigneur Jésus a guéri ma nièce du VIH/SIDA. Et l'année passée, le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à la prise des médicaments. Et elle est guérie totalement. Depuis l'année passée jusqu'à ce jour, elle ne prend plus de médicaments. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwame Chakras Deborah. Mon frère d'ici, c'est la sœur de missionnaire Aïssa d'Abongo. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu qui a opéré une grande nouvelle dans ma vie. J'ai été guérie du VIH/SIDA. Les jeunes et sont angélo. Je suis d'ici du pasteur missionnaire Nguessan Mathieu de Dabou. Le Seigneur m'a guéri d'une mort précoce planifiée par la société. En effet, je suis né dans une famille extrêmement religieuse, mais je suis adulte et je suis habillé. Donc vous voyez, directement, et moi je vais parler. Je suis né d'une mère adulte et d'un père habillé. Donc vous voyez ces deux sens-là mélangés. Alléluia. Avant de donner ma vie à Jésus, j'étais fréquemment malade. Très fréquemment malade. J'étais malade à deux périodes de l'année scolaire. J'étais malade quand on peut présenter les examens. Et j'étais malade à la rentrée scolaire. Donc j'étais toujours en retard dans les années scolaires. Je venais toujours après un ou deux mois que la rentrée a déjà commencé. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais encore esclave de cette maladie. J'avais une maladie dans la porte. Cette maladie est née quand à Découvert, je partais nager au bateau avec mes amis. Et avec de l'eau. Mes amis m'ont plongé dans l'eau. À la même place que mes amis m'ont plongé, moi aussi j'ai plongé et j'ai reçu un choc dans la côte. J'ai failli mourir là-bas, mais je suis devenu sortir de l'eau et mes amis m'ont envoyé à la maison. C'est à partir de ce jour-là que je tombais fréquemment malade. C'était très périodique. Quand je donnais ma vie à Jésus, j'étais encore esclave de cette maladie. À quelle enseigne, j'étais tellement malade que mes parents étaient fatigués. Mon oncle chez qui j'habitais était également fatigué. Dès que je tombe malade, je me détache des parents. Mes cousins, mes cousines en avaient marre. On m'appelait le maladif. En adulte, on disait on loue, c'est-à-dire maladif. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le 22 février 2006, après ma dépendance, mon frère ici, le pasteur Nguessan Mathieu, planifié mon prisonnement de lien. Tenez-vous bien. Quand j'ai préparé mon cahier a disparu. Mon cahier de prison de lien a disparu. Je ne sais pas où c'est rentré. J'ai repris mon jeune. Mon cahier de prisonnement de lien a encore disparu. Cette fois, mon frère s'est dit que le cahier se perd ou pas sur le champ. On va faire son prisonnement de lien. Donc j'ai commencé à remplir le cahier et mon cahier a été retrouvé. Gloire à Dieu. Quand j'ai pris mon présent de lien, j'ai été un temps soit peu délivré de cette maladie. Mais quelque temps après, la maladie a repris. Là, j'étais en classe de terminale. C'est la classe de terminale. J'étais en classe de terminale. Et en plein cours, j'avais reçu un coup et j'ai commencé à avoir froid. Quelques temps après, j'ai commencé à avoir froid. Nous sommes allés au dispensaire de l'école, qui était situé à 300-400 mètres de l'école. Quand je suis arrivé, on m'a consulté, on m'a fait coucher sur le lit, on a pu ma température. J'avais fait 47 degrés Celsius. La femme a dit, je me suis très bien, je vais coucher. La femme a dit, lui, elle est encore. Et mon père avant était déjà coupé. Donc j'ai dit, non, moi je ne vais pas rester ici. Je vais qu'on appelle mon oncle pour venir me chercher. C'est en cela que j'ai appelé mon oncle, il allait me chercher et on m'a amené à la maison. Par contre, j'avais mon frère ici et c'est mes frères pour leur dire que j'étais malade et je partais à la maison. Arrivé à la maison, j'étais au salon, je lisais la vie, j'étais couché dans le canapé et je lisais la vie. Les frères sont entrés. Le mauvais c'est pas là. Il y avait un dirigeant de l'Assemblée, il y avait deux dirigeants de l'Assemblée, j'étais venu avec ses frères, prier pour moi. Quand ils ont prié pour moi, on finit. Moi j'étais assis, toujours en train de ma vie, mais à un certain moment, j'avais senti le besoin d'aller me coucher. Je suis donc entré dans ma chambre pour dormir. Quand on rentre dans la cour, je n'avais pas totalement fermé la maison, la porte de ma chambre. J'avais entrouverte. Donc entrouverte, je pouvais de ma chambre voir quelqu'un qui vient dehors en train de venir. Parce que la porte de ma chambre était alignée à la porte du salon et ensuite à la porte qui pouvait donner à l'intérieur. Donc je vois clairement une personne qui vient dehors venir. Je ne sais pas si je dormais ou j'étais réveillé, mais j'étais dans un état où j'étais conscient de ce qui se passait. Donc j'étais dans un état mi-réveillé, mi-endormi. Il y a une personne qui était habillée à une robe blanche, de couleur blanche, et elle est entrée, elle a dépassé le portail de la cour. Ensuite, elle a commencé à aborder les marches de l'escalier qui rentraient dans le salon. Quand la personne est entrée dans le salon, la personne est arrivée dans ma chambre. Quand elle est arrivée dans ma chambre, j'étais juste à côté du lit. Et elle est venue par mon cheveu. Je n'ai pas vu le visage de la personne parce que le visage était bien. Je ne voyais pas le visage, mais je voyais distinctement la main avec les manches du boubou. Et quand la personne est venue, va voir. La personne a fait comme ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est entré et étant couché, il a fait de cette façon, sa main comme ça. Comme ça. Et mon ventre s'est déchiré en deux. Et il m'a dit, regarde. Quand j'ai regardé dans mon ventre, c'était des déchets. Il y avait des sons de bouteilles. Il y avait des morceaux de pneus, il y avait des pointes, et il y avait des puits, c'était rempli de puits. Il avait, quand j'ai regardé sa main, il y avait un foulard de couleur blanche. Il a pris le foulard, il a essayé de nettoyer mon ventre avec. Il n'a pas pu réussir. Il a fait des gestes comme ça. Quand il a fait sortir le foulard, en fait, il a pris le foulard, il l'a mis dans son sein, et quand il l'a ressorti, le foulard était imbibé de sang. Et il a pris le foulard, mon ventre couché, il a envoyé le foulard, le haut de mon ventre. Quand il a laissé une seule goutte, elle est tombée dans mon ventre, ça a nettoyé tout. Cette goutte qui est tombée dans mon ventre a nettoyé tout. Lui-même a pris le foulard et il a un jour dans le ventre pour nettoyer. On se nettoyait une partie effecte, bien nettoyée, c'est le propre. Et là, il a fait le contraire du geste qu'il avait fait. Il a fait comme ça. Et mon ventre s'est refermé. il a dit, voilà, c'est fini, tu es guéri. Quand il a dit ça, il s'est retourné, et il est parti. Je le voyais parti. Quand il est parti, je suis réveillé. Je me suis simplement rendu compte que j'avais plus la douleur que j'avais. Tout était parti. Et étant dépassé de la guérison, j'ai même l'homme qui était malade. J'ai couru pour attraper les frères, pour leur rendre visite, pour leur dire que le Seigneur venait de me faire. Alléluia. Peut-être que tu pourrais encore te poser la question. C'est vrai, je suis guéri. Mais est-ce que je n'ai pas encore devenu malade après ça? Je vous l'assure. Après que j'ai été guéri de cette maladie, je ne suis plus jamais tombé malade. C'est peut-être, ayant trop bossé, ayant trop étudié, passé 2 jours, 3 jours sans dormir, j'ai un peu des migraines. Je dors, je me réveille, c'est parti. Et comme le pasteur venait à l'habitude de dire, je suis le frère Étienne de ce Angelo, et je suis de la même nature que toi. Je suis de la même communauté que toi. Et je suis même en train de gêner comme toi. Je suis en train de crier comme toi. Si tu pries, le Seigneur va t'exaucer. Si tu es parmi nous, tu es incrédule, ne sois plus incrédule. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une mythologie. Il n'est pas une histoire grecque. Jésus-Christ est une réalité et une réalité au-dessus de toute réalité. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Akouba Abel, je suis disciple de Maman Agnès. Je voudrais bénir le Seigneur parce qu'il m'a guéri du cancer du sein. Et ça a commencé à s'enfler. Quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'était un cancer de sein. Mais on m'a dit qu'il fallait couper. Je n'ai pas voulu. J'ai donné ça en 2008. La boule s'est cassée. Et c'est comme ça qu'on a commencé à saigner, J'ai donné ça on a encore le papier à l'hôpital pour couper. On a fait les dossiers. Au moment où on devait couper, on a dit qu'il n'y a pas de salle disponible. Donc, vraiment, si on est à la maison, j'ai dit que bon, ça a été loin de la maladie, ça sort comme ça. Et c'est comme ça que j'ai donné la maladie du sang, j'ai rencontré, il y a une femme qui est ici à la CMCI, il m'a dit de venir faire justement des liens et tout ça. Donc, je suis venue, elle m'a confié au frère Malin. Et le frère Malin m'a confié à Maman Agnès, c'est elle qui me suivait. Et elle m'a dit, il faut lire la Bible, il faut lire beaucoup. Lis 5 un chapitre, lis 10 chapitres par jour. Je dis, ta maman, c'est beaucoup, hein. Elle dit, il faut lire. Donc, j'ai dit 5 matin et 5 le soir. Et c'est comme ça que le sang en ça s'est vidé. Le sang en ça s'est vidé. Vraiment, le Dieu a Seigneur est ici, c'est le pasteur Kamel. Je voulais donner toute la gloire au Seigneur qui m'a guéri de 2 maladies graves. Il m'a guéri d'un ulcère en phase terminale et il m'a guéri d'une maladie incurable qu'il avait la colonne vertébrale. Donc que le Dieu m'a mis du côté maternel, je connais seulement 11 parents, mais eux tous sur le ulcère. Moi j'ai eu l'ulcère parce que j'étais dans le monde. Et ce problème à la colonne vertébrale, je l'avais eu depuis que j'étais enfant, mais ce n'était pas aussi grave que cela. C'est quand je venais à la maison pour les études en 2015. J'étais tombé gravement malade, en ce moment je ne connaissais pas encore la CMCI. J'étais gravement malade et on avait fait des radiographies. On avait découvert d'abord qu'il avait un ulcère qui était vraiment avancé. Et qu'il avait aussi un vertèbre au niveau de la colonne vertébrale qui était planté dans un autre. Donc ça faisait que je n'arrivais pas à soulever le saut. Et je n'avais plus à aller également à l'université. Donc j'étais couvert à la maison. Vraiment, ça n'allait pas. La nuit, pour pouvoir dormir, on achetait la glace de 25 corps formée, on me posait sur le dos. Parce qu'au niveau de cette partie-là, il y avait toujours de quoi couvrir la dedans. Donc je n'avais pas à marcher, je n'avais pas à vivre. Et dans ces moments-là, je me suis rappelé que je vais dans le péché. Et si je pourrais, j'allais aller en enfer. On était allé déjà à l'hôpital pour l'ulcère et on m'avait donné des calmants parce que le médecin m'a dit que l'ulcère était curable. Donc il fallait que je supporte la douleur parce qu'un jour je pleure. Et le problème à la colonne, c'était pareil. Il a dit qu'on ne peut pas m'opérer parce qu'au cas où ça échouait, je pourrais paralyser le cœur. Donc je n'arrivais pas à marcher, j'étais couvert au lit. Et le Seigneur m'a vraiment aidé. Parce que quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai croisé un chrétien de la CMCI. Mais je ne savais pas qu'il était de la CMCI, c'était un ami. C'était la première personne que j'ai croisée quand je suis arrivé à Abidjan. Et j'ai commencé à le regarder d'une manière particulière. Je voyais en lui quelqu'un de bien. Je partais à l'église. Parce qu'elle était déjà baptisée, mais j'étais dans le péché. Donc je suis sorti de la communauté où j'étais. Et c'est comme ça qu'un jour, dans cette situation que je traversais, je savais que ma mort était proche parce que je souffrais terriblement. Et le Seigneur lui-même m'a convaincu. Il m'a fait voir ce jeune-là, quelqu'un pouvait m'aider, mais je ne savais pas qu'il était à la sienne. Quand je viens de l'Est, là-bas, je connaissais le ministère. On avait fait la repentance, mais je n'avais pas fait 2 jours de faire rentrer dans le monde, parce que les parents étaient précipités. Quand je suis arrivé à Abidjan, je ne savais pas aussi que la communauté existait. C'est comme ça que, dans la maladie, je cherchais un moyen de délivrance. J'étais à la maison, j'attendais que les chrétiens viennent me prêcher l'évangile. Mais tous ceux qui venaient, je voyais que c'était comme moi, ils étaient dans le péché. Et c'est comme ça que j'ai dit à cet ami, invite-moi. C'était la première fois, c'est moi qui allais faire le jeu. Invite-moi parce que c'est un bon comportement. Je vais aller dans l'église où tu vas, je connais ton ministère. Et c'est là que j'étais tombé malade. Donc je n'ai pas pris à lui. Et quand ça a commencé à dire que je suis allé faire le jeu, invite-moi à nouveau. Et c'est comme ça qu'il m'a invité ici au temple. Et on était dans la période des renversements des possibilités. Quand il m'a tendu le pied, je connaissais déjà la communauté, mais je ne savais pas qu'elle était là, à Abidjan. Quand il m'a tendu le pied, quand j'ai vu CMCI, j'ai commencé à sourire, parce que j'ai vu que ma délivrance était proche. Je suis entré dans le jeûne le premier jour. toutes les douleurs que j'avais à la colonne vertébrale, le même jour tout avait disparu. Je précise que j'étais dans le jeûne, je n'avais même pas encore fait la repentance. Moi, je jeûnais partiellement parce que j'avais dit que lui, je jeûnais de manière complète pour moi. C'était le premier jour. Tout avait disparu. Avant même qu'il n'avait même pas encore posé les mêmes. J'étais plus malade. Et j'ai vu que vraiment, j'étais la bonne voie. J'ai fait la repentance. Et dès que j'ai fini, comme je savais que du côté maternel, j'avais tous mis sept, je suis allé voir ma première, que le Seigneur m'a guéri. Elle m'a dit que ce n'était pas vrai. Le gros comme ça, arrivé dans la communauté évangélique, c'est ce que vous dites. Je lui ai dit, c'est vrai. Elle a dit non. À cause de ça, elle avait refusé de faire la repentance. Et le mois passé, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pour toi, elle vraiment bien, donc tu es guéri. Elle a dit que j'étais prêt. Effectivement, je suis guéri. Et plus montrer que j'étais dit que je n'ai pas le problème d'alimentation, mais moi, le piment, j'ai commencé à citer des choses qu'elle ne pouvait pas manger. Et j'ai vu que le Seigneur m'avait vraiment aimé. Parce que je devais mourir, mais Dieu m'a compris avec quelqu'un. Que l'on vienne à gloire de Dieu. Pour moi, je savais que tu me sauves toujours. Vous voyez comment Jésus parle dans les sciences. Et c'est exact et correct selon les Écritures. Oh Jésus-Christ. Tu dois dire au revoir à l'Église.